t'ennuies toujours? Ouais, je m'ennuie un peu même. C'est tout ce que tu sais faire. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu dis de ça? Allez, Tina, reconnais que je suis le plus fort. C'est vrai, pour bavarder, tu es imbattable. Mais pour ce qui est du pilotage, j'ai quelques tours en réserve. Tu vois, Jeff, je suis encore derrière. Alors, c'est normal que tu me suives. Je suis le seul beau mec de la base. Oh, les deux acrobates, fini de jouer. Posez-vous, notre stagiaire arrive. Roger, Dan. Allez, Tina. T'es vraiment obligé de prendre un stagiaire? John Swamp était déjà mon ami avant de devenir le patron de Rocky's Airways. Tu penses que je peux refuser de former son fils? Et puis, je suis sûr que c'est un garçon très bien. Je sais bien que ce stage ne t'enchante pas. Mais tu pourrais quand même faire une autre tête, non? Je n'ai pas besoin de perfectionnement. On en a toujours besoin, William. Et Dan Rupert est le meilleur instructeur que je connaisse. Salut, John. Content de te revoir. Pas autant que moi. Je te présente mon fils, William. Et David Hunter, mon meilleur pilote. Bienvenue à Air Academy, mon garçon. Voici Max, notre mécano. Tina. Emma, Jeff, Alex et Parachute, notre mascotte. Je m'attendais pas à trouver autant de monde dans un trou si paumé. Et surtout pas une si jolie fille. Allez, viens. Je vais te montrer nos installations. Ça m'a l'air d'une sacrée tête de lard. Ouais. En tout cas, tu n'es plus le seul beau mec de la base. Et voici notre petit musée. Magnifique. Toute l'histoire de l'aviation suspendue au plafond. Chapeau. Tes locaux sont mieux équipés que mon aérodrome. Le cadre compte beaucoup pour l'équipe. Il faut qu'ils se sentent chez eux. À ce propos, je suis désolé pour William. Il est un peu difficile en ce moment, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Monsieur, le plein est fait. Nous pouvons décoller. Merci, David. Je vous rejoins. Ne t'inquiète pas, John. Tout va bien se passer. Mais pourquoi tu ne le formes pas au sein de Rocky's Airways? Tu sais, pour lui, c'est la compagnie de son père. Et on est un peu en conflit ces derniers temps. Tu verras, William a toutes les qualités d'un bon pilote. Poussez un peu les gaz pour rester dans le plan des ailes. William et Jeff, réduisez. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? William, ça va pas à la tête? William, y a un problème? Non, non. Tout va bien. Tout le monde au bercail. Alex, tu prends la tête. C'est inadmissible. Le vol en formation doit renforcer l'esprit d'équipe. Des caprices de ce genre pourraient vous coûter la vie. J'ai dit quelque chose de drôle, William? En virant par la gauche, je n'ai mis personne en danger. Quoi? Mais espèce d'abruti, tu ne te rends pas compte? Et si j'avais... En ce qui te concerne, Jeff, tu n'as pas à paniquer comme un dindon dès que quelque chose cloche. En vol, on reste toujours maître de soi, je croyais te l'avoir appris. C'est la meilleure. C'est lui qui... Demain matin, rendez-vous à 8h pour l'entraînement. Toi, ne recommence pas. Sinon, tu auras affaire à moi. Désolé, dindon. Oh, les garçons, vous n'allez pas vous battre pour si peu. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le temps. Je dois aller faire des courses en ville. Comment je peux y aller? Débrouille-toi. Je t'accompagne. Super. Une balade rien que toi et moi. Thank you.
Attendez, l'ami. Hein? Ce n'est pas trop un coin pour les touristes. Et encore moins pour des fouineurs. Oh, je... Ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, je cherche... Les ennuis, ça m'en a tout l'air. Non, j'ai un rendez-vous. Je cherche les Barracuda. J'ai une affaire intéressante à leur proposer. Eh bien, malheureusement pour toi, tu viens de les trouver. Oh. Oh. On a de la visite, les gars. Messieurs? Qu'est-ce que tu nous ramènes là, Buck? Tu sais bien que c'est privé ici. Il dit qu'il a une affaire intéressante à nous proposer. Arrête ça, Boris. On a besoin de personne pour nos combines. Allez, mets-moi ça dehors. On dégage. Tant pis pour vous. J'aurais pu vous aider à soutirer beaucoup d'argent à John Swamp. John Swamp? Le milliardaire? Le patron de Rocky's Airways? Dis donc, c'est pas du menu fretin, ça. Lâche-le, Buck. Notre ami va nous expliquer tout ça. Voilà. Il faudra bien sûr prévoir une part pour moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà 8h20. Excusez-moi, panne d'oreiller. Bonjour, Tina. Fallait le dire, mon bijou. La prochaine fois, je viendrai te réveiller avec le petit déjeuner. Bon, on est au complet, en voiture. Hé, attendez. Pourquoi en voiture? On va où? Sur les hauteurs. Aujourd'hui, on va travailler les courants aériens en parapente. Je ne suis pas venu m'amuser avec des gros cerfs-volants. C'est pourtant grâce à ces gros cerfs-volants que tu pourras acquérir un bon sens de l'air. Mon sens de l'air est suffisamment développé comme ça. Dis plutôt que tu n'as jamais fait de vol libre et que tu as peur d'être ridicule. J'ai raison, hein? Viens donc montrer ce que tu sais faire en parapente, qu'on rigole. Bon, Jeff, va dans la voiture. Comme tu veux, William. Je ne peux pas te forcer. Tu vois, parachute, ce signe indique que le beau temps va rester. On n'est pas près de voir une goutte d'eau tomber dans la région. Parachute! Oh, tu es moins prévisible que la météo, toi. Il est doué, hein? Qui ça? Dan? Non, Jeff. Ouais. Plus de prétention que de talent. Ah, ah, sale bestiole! Cette sale bestiole, c'est mon meilleur ami. Quant au prétentieux sans talent, c'est mon frère. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je t'ai vu voler. Bravo. Eh oui, pas besoin d'un moteur pour être un bon pilote. Juste des ailes et du vent. Tu vois, tu as encore beaucoup à apprendre. Attends, ne le prends pas comme ça. J'essaie d'être sympa, c'est tout. Eh bien, tu n'y arrives pas. Non, mais pour qui tu te prends? Tu as un problème ou quoi? Coulibiac de saumon sur nid d'épinards et gratin dauphinois. William ne mange pas? Il a déjà le parapente à digérer. J'aimerais bien que tu arrêtes cette guerre ridicule, Jeff. Tu sais, Jeff, le problème, c'est que William est ton alter ego. Mon quoi? Alex veut dire que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Les mêmes goûts, la même façon d'être, c'est ça qui te dérange chez lui. Si on se ressemblait tant que ça, tu me ferais aussi les yeux doux. Et moi, je n'aurais pas rechigné si mon père m'avait offert un stage à Air Academy. Vraiment? Alors pourquoi tu n'as jamais voulu faire les stages de voile que papa t'a souvent proposé? Rien à voir, je n'aime pas la voile. Faux! Tu prétends ne pas aimer la voile, parce que c'est le sport préféré de papa. Oh. Je crois que tu as visé juste Emma. Oui, mais lui aussi. Oups. Hey, mon gratin!
Alex, essaie de trouver William. Laisse tomber, tu ne le trouveras pas. Le quad et un parapente ont disparu. D'après moi, notre ami a voulu prouver quelque chose. L'inconscient, il n'a jamais fait de vol libre. C'est moi l'inconscient. Je n'aurais pas dû le provoquer bêtement. Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Ok, l'Académie. On ratisse. Gina à l'Académie et repérez le quad en secteur B3. Vertical du quad. Pas de trace de William. Je refais un passage. Eh, hey, mais... l'avion des Barracuda? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce pirate? Où tu m'emmènes, mon bonhomme? Où tu es passé? Dan à Jeff. Dan à Jeff. Jeff, j'écoute. C'est quoi ce silence radio? Je te raconterai. Un barracuda? Qu'est-ce qu'il mijote encore? Je me suis posé la même question. Je l'ai suivi, mais il a disparu dans un défilé. Je n'aime pas trop savoir ces crapules dans le coin. Enfin, j'espère qu'ils n'y sont pour rien dans la disparition de William. Tu as prévenu son père? Non, c'est délicat. Si on n'a pas de nouvelles dans 3 heures, j'aviserai. Quand on parle du loup... Monsieur Swamp... Tout est de ma faute. J'ai bêtement provoqué William, mais... Ne l'écoutez pas, j'ai aussi mes torts. Je me suis amusée de la rivalité entre William et Jeff et je l'ai un peu encouragé. Rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien, les enfants. William a été enlevé. Il y a 1 heure, j'ai été contacté par ces ravisseurs qui réclament une forte rançon. Les barracudas? Je ne sais pas. Leurs instructions sont très précises. Je dois mettre l'argent dans un sac équipé de solides poignées, survoler une zone non loin d'ici et attendre de nouvelles instructions. Ils vont sûrement vouloir récupérer l'argent par les airs. Qu'est-ce que tu comptes faire, John? Obéir, que faire d'autre? Jeff, tu retrouverais le défilé? Sans problème. Bon, on va y aller tous les deux en parapente. Toi, Tina, tu prendras le jet et tu accompagneras John au rendez-vous avec l'argent. Je peux truquer le sac? C'est-à-dire? Farci attrape. Attendez, ce n'est pas un peu risqué tout ça? John... J'ai la responsabilité de ton fils, c'est donc à moi de le retrouver. Et puis si les barracudas sont vraiment dans le coup, il faut intervenir très vite et ne pas céder au chantage. D'accord, Dan. Tu as carte blanche. Bien. De quoi grignoter. Ah ! Comme tu veux, mon bonhomme. Tu aurais pu survivre 2 jours de plus en mangeant ça. Quand on sera parti, crois-moi, tu auras très faim. Un type d'Air Academy m'a suivi tout à l'heure. Je l'ai semé dans le défilé et il n'a même pas deviné qu'on y avait une planque. Quoi? Tu as guidé quelqu'un d'Air Academy jusqu'ici? Ben quoi? Où est le problème? Buck,
Tu viens avec moi chercher l'argent. Vous deux, restez là pour garder la marchandise. Attendez, et qu'est-ce qui me dit que vous allez revenir? Sombre crétin. Dan Rupert va sûrement pointer son museau. Maintenant que les barracudas ne sont pas loin, il doit y avoir une grotte ou une cavité quelque part. Ah ! Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une vieille pelle. Qui est l'étourdi qui a laissé traîner ça là ? Un chercheur d'or, sans doute. Et qui dit chercheur d'or, dit... mine d'or. Bonjour, Monsieur Swan. Alors, au rendez-vous? Où est mon fils? Accrochez le sac et vous saurez où retrouver votre cher bambin. Il est quelque part dans les montagnes. Bonne recherche, Monsieur Swan. Arrête de trembler. Ils ne vont plus tarder. Bill ne me laisserait pas. Vous croyez ça, vous? Hein? Qui va là? David Hunter. Votre salaire de pilote ne vous suffit pas? Je n'ai pas à me justifier et je... Ça va, William? Il faut filer d'ici avant que les autres ne rappliquent. Je vais prendre l'avion de notre ami. Désolé, William, mais avec ma jambe, je ne peux pas courir pour décoller en parapente. Il va falloir que tu me remplaces. Tire ici pour virer à gauche et là pour virer à droite. À l'atterrissage, à 2 mètres du sol, tu tires fortement sur les 2 poignées pour freiner. Et c'est tout? Ben, pour le reste, fais confiance à ton fameux sens de l'air. Oh! Hey Bill, qu'est-ce que c'est que ça? Les oiseaux quittent la cage? On s'en moque, on a le fric. Mais on peut s'amuser un peu, non? C'est bon, Buck. Balance-moi ça au tapis. On n'a pas que ça à faire. Tiens, voilà des ennuis. Pas de problème. Boris vient s'en occuper. J'espère que ton gadget va fonctionner, mon petit Alex. Tenez, Monsieur Swamp, votre argent. Mes hommes ont passé 3 jours à ratisser les bois. C'est pas bien, ça, de polluer nos forêts.
Oh. Je ne peux pas vous garantir qu'il y ait le compte. Les ours ont dû se servir. Merci, Monsieur Barnes. À propos, j'ai appris que David Hunter avait été arrêté hier à la frontière américaine. Et les barracudas? L'avis de recherche n'a encore rien donné. Je ne serais pas fâché de les savoir sous les verrous, ceux-là. Bon, mon bonhomme, il va falloir y aller. Dan, j'ai été très... T'es un super instructeur. Merci, William. Tu es un super pilote. Mais la prochaine fois, j'espère que le stage ne sera pas perturbé par les barracudas. Ça sera moins drôle, alors. Bon, ben, salut à vous tous et merci pour votre accueil. Oh, et doucement, parachute. Et toi, n'oublie pas notre rendez-vous. Ça risque pas. Salut, beauté. Salut, Willy. Hey, John, si David Hunter est en prison, qui va piloter tes avions, alors? Qu'est-ce que tu crois? Le meilleur pilote que Rocky's Airways n'ait jamais eu. Pas vrai, fiston? Dis, c'est quoi cette histoire de rendez-vous? Oh, je dois retrouver William le mois prochain à Vancouver. On va faire un stage de voile ensemble.